abonnés de la page BibiTech Service. Aujourd'hui, on veut tout simplement vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour greffer vous-même vos propres plans, ou bien comment est-ce que l'équipe BibiTech est en train de produire les plans pour la campagne prochaine. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en train de demander les plans d'avocatier. Et là, présentement, nous sommes sur notre petit espace de multiplication végétative. C'est vrai qu'il y en a plusieurs comme celui-ci. Et aujourd'hui, nous sommes en train de greffer. Il y a plusieurs variétés que nous avons utilisées, notamment la variété Ixon, la variété Taylor, la variété Anaheim, la variété As, et ainsi que la variété, je pense, Bot 7. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour greffer? Dans nos vidéos précédentes, on vous a expliqué de fond en comble comment vous pouvez faire pour récolter vos propres greffons et comment vous pouvez greffer. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement une répétition pour ceux-là qui n'ont pas pu voir les vidéos précédentes et qui tombent pour la première fois sur notre chaîne YouTube. Donc si c'est ta première fois, donne-moi tout simplement quelques secondes pour me présenter à toi. Je suis Corsin Duntio, jeune entrepreneur agricole, et dans cette chaîne, on te partage un contenu qui te permet de mieux te lancer dans le secteur agro-silvo-pastoral en Afrique. Comme je l'ai entendu ici, nous avons le porte-greffe. Pour greffer, il faut tout d'abord un bon porte-greffe. Donc nous avons préparé nos porte-greffes au préalable. Il faut un greffon. Donc voilà les deux parties végétatives qu'il te faut. Un porte-greffe et un greffon. Donc là, comme on est en train de greffer là, ça c'est un greffon. Et maintenant, après avoir réuni ces deux parties, il te faut un cutter. C'est celui-ci. Après, il te faut deux gaines différentes. Une gaine d'attache et une gaine de protection. Dans la gaine de protection, c'est tout simplement pour protéger le greffon, pour créer un milieu favorable pour le développement des greffons.